Je vais vous résumer ce livre, Les jus frais de légumes et de fruits. Un petit livre de 128 pages avec un index qui est en fait une édition de 2008 avec une version originale de 1970 et ça commence à faire. Alors voilà, on va parler, je vais résumer un peu la première partie, un peu plus que le reste et je donnerai quelques exemples sur les deuxième, troisième et quatrième parties. On regardera le tableau d'analyse des fruits et des légumes pour voir quels sont les légumes et les fruits qu'il va pouvoir traiter dans ce livre. Et puis je vous parlerai un petit peu aussi de quelques éléments de cette dernière partie. Et puis je vous donnerai ma conclusion personnelle à la fin. Donc Norman Walker, docteur en sciences, il a consacré près de 70 ans de sa vie à étudier la nutrition. Donc c'est pas rien. Et au-delà de la nutrition, c'était aussi la santé, l'hygiène de vie globale. C'est ce qui est intéressant, on en parle un peu à la fin. Fin du 19e, il a entamé des recherches sur la longévité. Comme beaucoup de gens qui se sont intéressés encore plus à ça, il a eu une maladie grave due au surmenage et il a frôlé la mort. Il s'est guéri lui-même et en 1910, il a fondé le labo Norwalk de recherche scientifique de chimie et de nutrition à New York. Et il fut un des plus grands nutritionnistes mondiaux et il a fini centenaire. Donc, dans son livre, il va dire pas mal de choses. Qui vont en fait démystifier un peu les jus et essayer de redonner les idées essentielles, les idées de base, les idées fondamentales par rapport aux jus de légumes et de fruits. Par exemple, c'est les jus de légumes sont des bâtisseurs du corps et les jus de fruits sont plutôt des nettoyeurs. Donc ça, c'est un premier aspect qui est important à comprendre. Après, aussi, dans les choses importantes, il précise bien que c'est impératif d'avoir un régime équilibré et que les jus de légumes ne suffisent pas, bien sûr. Parler ici de choses à prendre en complément, donc repas équilibré, composé de salades, de légumes crus et variés, pour lui ça doit être la base. Il doit se trouver à tous les repas. Alors pourquoi faire des jus dans sa première partie? Ça c'est un sujet important parce qu'effectivement c'est pas forcément expliqué toujours très clairement et c'est bien ce qu'il s'attache à faire dans ce livre. Parce que les fibres, ce que l'on va du coup évacuer en faisant un jus de légumes, les fibres sont essentielles. Il précise bien que les fibres n'ont aucune valeur nutritive. Par contre, leur rôle est cependant important et avéré par rapport au balai intestinal. Sans apport de fibres, ni le côlon ni le corps dans son ensemble ne peuvent fonctionner correctement. C'est pour ça qu'il faut être très clair et qu'il part au début d'avoir un régime alimentaire varié avec des apports de légumes crus, etc. Les jus de légumes sont un complément et il ne faudrait pas, sauf cas particulier, comme toujours, se priver complètement de fibres. Au passage, ça peut être intéressant pour les personnes qui disent ne pas pouvoir manger de légumes parce qu'elles ne supportent pas les fibres. Les jus de légumes pourraient être une très très bonne solution pour faire les apports en micronutriments dans ce contexte-là. Après, il parle des carences de l'organisme. À partir de là, il nous conseille bien sûr d'avoir des produits le plus frais possible. Les aliments qui nous nourrissent, enfin que l'on ingère, doivent nous nourrir de toutes les manières. Donc ils doivent apporter des éléments constructifs pour notre corps. Et ce qu'il dit, c'est que si effectivement on en manque, non seulement nous mourrons prématurément, mais nous souffrirons tout au long de notre vie. Bon, voilà, c'est un des points essentiels qu'on va retrouver dans plein d'autres livres ou dans plein d'autres choses autour de la santé naturelle, c'est nous avons besoin des briques essentielles pour bien fonctionner. Et là, on parle de micronutriments. Voilà. Après, dans ce livre, il va parler bien sûr aussi des choses essentielles au niveau de l'hygiène de vie, hein. Donc, et ce qu'il explique bien, c'est que par exemple, les rayons du soleil qui sont si importants pour nous, c'est une partie de ce que va absorber les légumes, avec tous les minéraux du sol que seuls les légumes sont capables de transformer pour les rendre biodisponibles. Et toutes ces choses-là vont être du coup à disposition dans les légumes et encore plus dans les jus de légumes. Après, il parle de la cuisson. Pour comprendre aussi l'intérêt du cru, il en a parlé au début en disant qu'il fallait privilégier le fait d'avoir une salade crue à chaque repas. Donc il réexplique bien par rapport aux enzymes, ce qu'il dit, c'est que les enzymes deviennent paresseuses dès 47 degrés et perdent toute leur efficacité à 54 degrés.
Donc les enzymes, pour mémoire, hein, ce sont des petits éléments qui vont contribuer à l'assimilation finale des micronutriments, puisque c'est elles qui vont découper, préparer et adapter les aliments qu'on ingère pour leur assimilation. Et donc si ces enzymes perdent leur efficacité, en fait, ça va nous priver de l'essentiel de la force vitale nécessaire à la nutrition, puisqu'on va perdre des éléments essentiels qui vont repartir. Et le fait que des générations d'êtres humains aient vécu et vivent encore sans avoir jamais ou rarement mangé autre chose que des aliments cuits ne prouve pas qu'ils sont en vie grâce aux bienfaits de la nourriture cuite. Parce que c'est aussi l'aspect de dire, bah, je connais des gens qui n'ont jamais mangé des légumes crus, encore moins des jus, et qui vont très bien. Il faudrait plutôt dire qu'ils se maintiennent dans un état d'existence déficient, ce qui confirme la condition toxique de leur organisme. Après, sur ce sujet, on ne va pas faire long, mais effectivement, toutes ces maladies qui tombent dessus, bah en fait, ça ne tombe pas dessus comme ça. Ce sont des choses qui évoluent, pardon, progressivement, que ce soit cancer, diabète, maladies cardiovasculaires, sélénité, aux morts prématurées. Effectivement, il insiste pour dire que ce sont des choses qui se font au fur et à mesure. Alors, pourquoi ne pas manger le légume entier? C'est son deuxième chapitre. L'extraction des jus et l'élimination des fibres permet à l'aliment liquide d'être digéré et assimilé rapidement. Ça, c'est la première chose. En l'espace de quelques minutes, il indique, et avec un minimum d'effort et de fatigue pour le système digestif. Donc ça, c'est un aspect important, c'est de rendre assimilable directement des produits riches, que ce soit légumes ou fruits, est important pour notre constitution intérieure. Donc, c'est essentiel dans le sens où, comme on l'a dit tout à l'heure, certaines personnes peuvent avoir des difficultés avec les fibres. L'autre chose, c'est que, et ça, on retrouve encore un conseil très classique, c'est qu'il est important d'avoir une mastication très grande et très profonde, parce que les éléments essentiels sont souvent dans les interstices des fibres, et ces nutriments essentiels, si la mastication est pas suffisante, eh bien, ils vont rester emprisonnés dans les fibres, faire leur rôle de balai intestinal et ressortir sans avoir pu être extrait. Donc, là encore, si on mâche très 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 bien nos fruits et nos légumes crus, eh bien, on va pouvoir profiter complètement aussi de ces nutriments. Donc, c'est encore un conseil à bien bien mastiquer. Par contre, effectivement, les jus, pour le coup, ça sera une facilité. En cas de carence ponctuelle, eh bien effectivement, le fait de prendre des jus, ça nous évitera de mastiquer très longtemps des plus grandes quantités de légumes ou de fruits, et nous apportera plus de vitamines ou de minéraux. Donc, c'est assez indispensable, on va dire, pour des plus grandes quantités à absorber dans des cas ponctuels. Alors, troisième chapitre sur les aliments cuits. Il dit bien un peu d'aliments cuits ne peut pas être préjudiciable, parce qu'il a bien expliqué auparavant que quand c'est cuit, effectivement, nos enzymes vont être détruites quand c'est une vraie cuisson, et du coup, notre assimilation de nos micronutriments va être plus faible. Et pour le coup, pour les gens qui mangent beaucoup d'aliments cuits, c'est vrai que les jus sont un moyen de fournir à toutes les cellules et à tous les tissus du corps une matière qui leur permettra d'être facilement digérée et assimilée pour récupérer tous les nutriments et toutes les enzymes. Et qu'à ce moment, il est important d'en prendre quotidiennement. Il reprécise que les fruits, à trois ou quatre exceptions près, ne devraient jamais être consommés au cours d'un même repas de sucre et d'amidon. Chose que l'on peut voir par ailleurs dans mon résumé sur les associations alimentaires. Il précise que les jus frais et crus, non pasteurisés, au passage vérifiés dans certaines boutiques, effectivement, on peut trouver des jus, vérifier qu'ils ne sont pas pasteurisés. Parce qu'évidemment, si c'est pasteurisé, ces hautes températures vont diminuer fortement l'intérêt de ces boissons. Donc ces jus sont indispensables en complément de n'importe quel type de régime alimentaire. Les jus sont digérés et assimilés en l'espace de 10 à 15 minutes, et servent à 99% à l'alimentation et à la régénération des cellules. Donc voilà, dans ce chapitre, il réinsiste beaucoup sur le fait de dire que pour fonctionner, il nous faut des aliments vivants, et que si on a une alimentation cuite avec trop
une part trop grande en alimentation cuite, effectivement, les jus sont une bonne solution en rajoutant, on va dire. Au passage, il ne le dit pas forcément, mais c'est sûr que en apportant suffisamment de micronutriments, notre organisme en sera conscient. Et quelque part, il réclamera moins de nourriture, puisque souvent le fait de devoir manger encore parce qu'on a la sensation de faim est souvent lié au fait que notre organisme est en déficience de micronutriments. Donc un apport de jus limitera aussi le volume de prise alimentaire. Ça, c'est moi qui le rajoute, mais c'est vrai que c'est un constat fait par ailleurs. Après, il y a un chapitre sur son premier jus de carotte, donc en fait, c'est ses premières expériences. Et c'est autour de ces études-là qu'il a constaté que les produits de traitement toxique, tout ce qui est pesticides et compagnie, avaient tendance à rester en grande partie dans les fibres. Quand il a fait ses analyses, il a vu légumes entiers ou jus. C'est intéressant aussi, bien sûr, pour les jus, il est préférable de prendre des légumes bio, mais par défaut, des légumes conventionnels peuvent aussi être intéressants. Effectivement, il affirme qu'une partie des toxiques reste dans les fibres. Information intéressante. Un autre chapitre sur les jus qui ne sont pas des aliments concentrés. Bon, un aliment concentré pour lui, effectivement, c'est ce qui a été déshydraté, débarrassé de son eau. Voilà, les jus sont des éléments très liquides et surtout une partie qui est contenue, c'est de l'eau organique qui est de la qualité la plus pure. Et là, effectivement, quand on boit un jus de légumes, c'est une des meilleures boissons au sens quelle eau boire. Là, on a la partie eau. On va le voir dans son tableau d'ailleurs, la partie eau des jus de légumes est une eau très pure, qui du coup est très intéressante à boire. Donc dans ce chapitre-là, bon, il donne pas mal d'exemples autour des aliments concentrés, en comparant, je vais faire court là-dessus. Par exemple, il reparle des laits de vache, entre autres, hein, en parlant que ça c'est un aliment qui du coup est très concentré pour l'organisme humain, puisqu'il a des compositions... qui sont trop élevés par rapport à d'autres constitutions. Donc responsables de rhume, de nez qui coule, de mucus divers et variés. Et au passage, je remets en avant que le jus de carotte, effectivement, est l'un de nos plus puissants alliés dans l'élimination des mucus. Petit chapitre aussi sur le lait de chèvre cru, qui n'est pas producteur du mucus et qui, pour lui, est le seul supporté par la digestion humaine. Lait de chèvre cru. D'ailleurs, il a quelques recettes où il met un peu de lait de chèvre cru avec jus de carotte, par exemple, pour faire un aliment complet, gras, qui peut servir, par exemple, aux enfants. Donc, après, il affirme les preuves scientifiques sont formelles, compléter nos repas par des jus de fruits et de légumes crus est le moyen le plus rapide et le plus durable de recharger notre corps, un élément indispensable. Il a passé, effectivement, une bonne partie de sa vie à analyser et à démontrer tout ça. Donc, un chapitre où il reparle de la protection contre les pesticides et les traitements chimiques, où il redétaille le fait qu'effectivement les fibres ont tendance à amasser ces toxines et à les garder avec elles. Un chapitre sur la quantité de jus absorbée sans crainte. Donc, il dit 1 demi-litre est un minimum, quantité idéale de 1 à 4 litres. On y reviendra dans ma conclusion sur cette partie. Enfin, deuxième partie maintenant, il va détailler 38 jus en fait. Donc il va prendre des jus légumes par légumes, donc il va démarrer par le jus de carotte forcément, puisqu'il en a beaucoup parlé. Donc il va réexpliquer la constitution, quel type de vitamines, les avantages pour le foie par exemple, pour l'élimination par la peau. Donc à chaque fois, beaucoup de détails sur chacun des jus, quels sont nos systèmes qui pourront le plus en profiter. Voilà, donc ces chapitres à chaque fois sont assez copieux, assez consistant. Il rentre vraiment dans les détails et c'est suite à toutes ces analyses qu'il a pu faire dans son labo. Donc sur le jus de carotte, effectivement, il raconte, il détaille énormément. C'est vrai que ça reste souvent la base des jus. Donc pour le coup, ici, on aura des explications bien complètes sur les avantages du jus de carotte. Donc après, bon, pas mal de jus, au passage, jus de betterave, intéressante. Pour les troubles de la menstruation, par exemple. Le jus de céleri, très intéressant, avec un sodium organique vital très disponible et important, source de calcium aussi. Jus de concombre,
diurétique, intéressant pour les rhumatismes, les cheveux, les ongles. C'est vrai que jus de concombre, très riche en eau, mais aussi en micronutriments, agréable à boire. Jus de pissenlit, donc plus tonique, mais qui permet de lutter contre l'acidité, par exemple. On parle des jus de topinambour, on parle un peu des algues aussi. Disons que le fond des océans est le terrain le plus fertile de la planète. C'est sûrement pas faux, ça commence à être un peu attaqué aussi, mais il reste quand même beaucoup de choses. Donc il va parler des algues, de l'iode organique présent dans les algues. Et qu'effectivement, pour lui, c'est une chose intéressante. Par exemple, une salière de table remplie d'algues vertes, broyées et séchées, qui va du coup apporter un peu de compléments intéressants. Il fait un chapitre sur l'acide oxalique aussi, puisque c'est un composant des légumes qui en final favorise le péristaltisme, donc la progression des selles. Et il précise bien qu'il peut devenir embêtant cet acide oxalique, pardon, quand il est cuit. Puisque étant cuit, cet acide va en fait se combiner avec le calcium et va anéantir la valeur de l'un et de l'autre. Bon, les épinards cuits, du coup, en conserve, on peut se poser des questions, hein. Les épinards crus, donc en jus ou crus en salade, ça peut se faire, hein. On bénéficiera de 100% du fer contenu, alors qu'en les mangeant cuits, eh ben, c'est au maximum un cinquième de fer qui sera disponible. Ce qui est toujours dommage. En jus, les épinards, effectivement, ça passe très bien. En démarrant doucement, au début, ça fait des goûts qui sont un peu surprenants, donc progressivité, mais les épinards en jus sont une très bonne solution pour les apports de fer, par exemple. Donc là, il résume aussi tout ce qui est jus d'épinards, jus vert et feuilles vertes, avec tout l'intérêt de la chlorophylle, par exemple, qui est un élément très très intéressant et qui va être très présent dans ces jus. Le jus de persil, très puissant aussi, avec prudence en quantité, mais rajouter un peu de persil, c'est toujours intéressant. Pommes de terre, rhubarbe, navets, etc. Alors après, il nous montre un tableau d'analyse des jus. Alors je vais vous montrer deux choses. C'est déjà quel type de propriété il montre. Donc il a une partie où il indique l'eau distillée présente dans chacun des ingrédients. Et puis protéines, glucides, lipides, les vitamines A, vitamine C, thiamine, riboflavine, niacine, qui sont des acides aminés, et puis calcium, magnésium, potassium, phosphore, soufre, fer, silicium, chlore, sodium, oxygène, hydrogène et azote. Et puis ici, vous verrez, vous pourrez faire une pause, vous verrez tous les légumes et les fruits qui ont pu être analysés et dont les tableaux vont rappeler toutes les mesures que j'ai pu montrer tout à l'heure. Bon, ça peut être intéressant. Pour comprendre effectivement pourquoi il va indiquer dans cette troisième partie dont je vais parler un petit peu maintenant les indications thérapeutiques en fonction on va dire des pathologies. Donc par exemple l'arthrite, il met en avant donc après toutes les formules vont être indiquées par numéro. Donc par exemple il dit que pour l'arthrite c'est la formule numéro 22 carotte épinard avec céleri. Donc il donne des indications à chaque fois très précises en expliquant pourquoi ce jus-là peut être intéressant pour telle pathologie. Il a comme ça 84 formules, avec par exemple la formule numéro 61 qui est sa formule fétiche, qui est carotte épinard. Et voilà, il va rentrer comme ça dans plein d'explications et plein de formules qui vont être mises en avant et qui vont former en final des petites recettes avec à chaque fois des descriptions de ce que l'on peut en faire. Et puis la cinquième partie nous parlera vraiment là du coup maladie et formule. Donc par exemple acidose, on prend la formule 61 et 30 et il explique après pourquoi on va avoir un intérêt à utiliser ce genre de combinaison en termes de légumes, voire de fruits. À chaque fois, il y a très peu de fruits. Dans ces jus, on dit par ailleurs en général qu'il faut pas plus de 25% de fruits dans les préparations de jus. Donc voilà, beaucoup beaucoup de formules comme ça, psoriasis, 61, 30, 15, 1 et 2. Voilà, il donne toutes les formules à chaque fois en fonction.
Dernière partie, il met en avant quelques sujets, on va dire, d'hygiène. Par exemple, il revient sur l'histoire du rhume. Beaucoup de choses à dire sur le rhume, mais en gros, il affirme qu'on n'a jamais réussi à identifier de virus ou de bactéries responsables du rhume. Et que les rhumes sont en fait un mécanisme de défense pour dissoudre, désintégrer, décomposer, évacuer les mucus. C'est l'intérêt du rhume. Donc, au passage, il précise bien sûr que le rhume, ben, ça c'est dommage de l'arrêter et de le bloquer trop rapidement, puisqu'au final, il est en train de nous aider à nous débarrasser de mucus. Et ces mucus sont issus de différentes choses, alimentaires entre autres, mais voilà. Donc, ces déchets doivent être évacués. Sinon, ils vont provoquer d'autres soucis de fermentation, de chaleur anormale au niveau du corps. C'est un trop-plein, qui doit être évacué jusqu'au bout. Voilà, donc après, il parle un peu des glandes endocrines aussi, du vinaigre, avec le vinaigre de cidre, qui est un produit intéressant avec son acide malique, utile à la digestion. Il reparle du lait, de la naissance au naturel, avec effectivement ici, l'intérêt de l'allaitement sur 2 ans, 2 ans et demi, et puis les types de jus qui peuvent être intéressants au moment de la diversification alimentaire. Et autre petite chose sur la consolidation des os, avec un témoignage de cure de jus durant des fractures multiples qui effectivement ont conduit à des très belles réparations qui ont surpris les médecins. Et enfin, un chapitre sur ne pas oublier, entre autres, d'être patient. Quand on parle de nettoyage de fond en comble, si les jus sont pris, on va dire, pour des actions thérapeutiques, et ben effectivement, déjà, ça peut s'accompagner de périodes de malaise et de douleur dans les zones concernées, puisque ce nettoyage va demander à inverser tout un processus qui a mis beaucoup, beaucoup de temps à se mettre en place. Il dit bien, en tout cas, il ne faut pas s'attendre à ce qu'une vie entière d'accumulation de toxines puisse être éliminée de l'organisme miraculeusement du jour au lendemain. Il faut du temps. Ça paraît essentiel. Ce qu'il dit aussi, c'est qu'une fois que le corps sera régénéré par une consommation régulière d'aliments crus et de jus frais et crus, de fruits et de légumes, et qu'il aura été débarrassé de ses déchets et encombrements toxiques, vous disposerez d'une telle réserve de santé, d'énergie, de vitalité que vous pourrez faire beaucoup de belles choses dans la vie. Et que c'est un tout au final, c'est que ça va au-delà de je veux plus de douleur ou je veux plus ce souci-là. C'est qu'effectivement, la pleine santé et disposer des micronutriments essentiels nous fait aller vers des choses beaucoup plus belles que juste se sentir à peu près bien. Un chapitre sur détoxiner l'organisme, où il va parler effectivement d'élimination par les poumons, les pores de la peau, les reins, les intestins. Donc voilà, en fait, ce petit livre, là j'arrive à ma conclusion personnelle, il est intéressant parce qu'il va vraiment aborder aussi les sujets autour de l'hygiène de vie au sens large. Donc il ne fait pas que se concentrer sur les jus. Maintenant, pour les jus, effectivement, c'était son métier et toute sa vie. Il a étudié vraiment de très près et de manière scientifique les jus et leurs effets. Donc ce jus, c'est le cas de le dire dans ce livre. Ce livre nous permet vraiment de comprendre le pourquoi, le comment, et de pouvoir répondre aux questions qu'on peut se poser. Il permet de voir que les apports les plus importants en termes de vitamines et de minéraux, ben, au final, c'est bien les fruits et les légumes qui vont pouvoir nous apporter ça, qui vont pouvoir, et que plus c'est cru, plus c'est frais, et mieux c'est. Et que dans tous les cas, même si quelque part on pourrait dire c'est pas la peine de se prendre la tête comme ça, de savoir que le jus de betterave il a tant de vitamines, quelque part pour les gens qui disent je vais prendre tel complément alimentaire, à mon sens il est préférable de regarder dans ce petit bouquin en se disant eh ben du coup tiens je vais regarder pour ce jus je vais avoir de la vitamine C en quantité ou de la vitamine B que sais-je, et du coup je vais me faire des jus de ce légume-là plutôt que de prendre un complément alimentaire. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui se disent je veux comprendre ce que je fais. Évidemment, on peut se faire des jus tranquillement sur ce livre. Après, il y a aussi un avantage, c'est que l'on va avoir des recettes. Souvent, on demande des recettes en parlant des jus, en disant ah, mais qu'est-ce que je peux mettre comme légumes ensemble? Des fois, on n'ose pas trop faire certains mélanges. Donc les recettes auront l'avantage d'avoir un goût plutôt correct, on va dire. Et puis un aspect aussi.
parce que des mélanges de légumes style betterave avec d'autres choses vertes ou un peu oranges qui vont donner un jus d'une couleur qui donnera pas envie, franchement, c'est mieux d'éviter. Et plutôt que de gâcher et de faire cette expérience, bah, ce petit livre du coup va pouvoir nous guider vers des mélanges qui auront un aspect et un goût sympathique. Bon, après, les recettes en fonction des maladies, là franchement, il faut être prudent, on est tous différents. Et se satisfaire seulement de jus pour améliorer sa condition peut être largement insuffisant en fonction de la réalité de la vie de la personne concernée. Donc, quelle est sa vitalité, quelle activité physique, comment il gère ses émotions, quelles sont ses relations sociales, dans quel environnement il vit, etc. Bien sûr, le jus ne fera pas de mal. Mais mon propos, c'est de parier uniquement sur un jus en disant, c'est bon, j'ai mon jus, j'applique ça, je fais ça pendant des mois et ça ira bien. Ça pourrait être des fois gênant en oubliant tout le reste. Donc pour moi, attention à cette partie-là. C'est pareil pour les quantités indiquées. Il convient d'être prudent en cas de faible vitalité. Franchement, même démarrer par 1 ml, ça peut être vraiment beaucoup. Apporter des frilosités, apporter un certain nombre d'inconvénients. Quant au 1 à 4 litres par jour, ça ne serait pas possible pour tout le monde. Ça pourrait être largement surabondant en termes d'apport. Qui du coup va sursolliciter le système éliminatif pour évacuer le trop de micronutriments, ce qui pourrait du coup être quand même dommage parce qu'on va fatiguer tout un système. Donc là, ce qui est essentiel, c'est y aller au ressenti, pas toujours évident, voire de se faire accompagner. Voilà pour ce résumé.